J'ai pris un petit café avec un petit croissant. Ça m'a coûté 2,70. Si on fait le parallèle avec hier à la sortie de Léon, dans la banlieue de Léon, à 1,20 avec le jus d'orange, la tortilla, le bocadillo, c'est un coupe-gorge ici en fait. Oui, c'est ça, c'est trois fois plus cher quoi. Parce que certainement on est dans un village un peu plus éloigné et qu'il n'y a que le chemin. Et en fait quand même, je pense que pour ces petits villages-là un peu éloignés, qui n'ont pas beaucoup de... pas beaucoup de tourisme évidemment, hein, hormis les pèlerins qui passent et les marcheurs qui passent, autrement dit, hormis le chemin, j'imagine qu'ils ne doivent pas tellement... tourner avec du tourisme ou autre, donc ils en profitent en fait, ils nous mettent un petit coup de bâton, même si ça reste raisonnable, hein, c'est plus ou moins les prix français on va dire, mais bon voilà, allez, à plus. Bon, bah, vous avez peut-être pu le remarquer, enfin, sauf ceux qui ont pu voir la vidéo avant qu'elle ne soit pas strikée, mais restreinte. Parce que quand j'étais à Léon, il y avait la place devant le musée Gaudi avec une sono
et ils y passaient de la musique. Moi j'étais là à ce moment-là, et donc j'étais en train de filmer quand il y avait une chanson, je crois, composée par Johnny Cash et chantée par je sais plus trop qui en fait. Et donc, donc YouTube a dû probablement éliminer toute ma bande son pour cette petite chanson à la con qui était dessus. Ouais. Donc vous comprenez pourquoi toutes les illustrations musicales n'appartiennent pas à YouTube et m'appartiennent à moi. Voilà, hein, ça évite de se faire striker ou de se faire emmerder avec des conneries. C'est sûr que pour les 3 ou 4 ou 7 mesures qui ont été jouées de cette chanson, les autres se permettent évidemment de t'enlever complètement la bande-son de ta vidéo. Donc vous pourrez certainement voir les images dans le futur, mais sans les commentaires. En même temps, il n'y a pas besoin de réellement de commentaires. Vous allez pouvoir voir Léon, et puis il y a la veille normalement où il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Hier, j'étais encore avec une radio un peu pourrie quand j'ai fait la vidéo d'hier. J'espère qu'ils vont pas nous refaire la même pour cette chanson de merde que j'ai subie en fait pendant que je faisais ma petite vidéo. Bon, voilà, allez, on continue. C'est pas super glamour, hein, mais c'est en même temps, c'est le chemin. Voilà, allez, on continue. Restaurant Los Angeles, plateau typico et tout ça. Voilà, je me suis fait un petit déj un peu sérieux. C'est là-bas au fond, à gauche. Et bon, très bien. On peut repartir. Sinon, sur le Camino, vraiment, là, quand on est au milieu, bah, tous les bars sont fermés. Enfin, tout au moins, il n'y en a pas du tout même. Donc voilà, vous êtes obligé de faire quelques mètres sur la gauche ou sur la droite pour trouver un bistrot, mais c'est pas grave, il suffit de le savoir. Sinon vous traversez tout le village et puis vous arrivez au bout et vous n'avez pas pris votre café ou votre petit déj. Voilà, là vous êtes au courant. Allez, on continue. Fait le selfie avec le camarade espagnol qui est le Donativo. Salut. Eh ouais, voilà. Salut. Eh, ça c'est Serge qui nous dit bonjour. Et José Manuel. Ah, voilà, muy bien. Ouais, c'est plus sympa que les poids lourds. Thank you.
c'est le message de finalement, c'est le message de Dieu, c'est igual pour tout quand c'est compris, non? Voilà, là c'est l'endroit où. Ton prénom, c'est comment? David. David, et David, en fait, voilà, ça fait 12 ans qu'il habite là et il a fait ça. Et il a fait ça. Donc, je vais vous montrer ce qu'il a fait quand même un peu plus en détail. Donc, ça, c'est... Alors, c'est même pas un donativo. En fait, l'argent, c'est lui qui le donne. Hein. C'est pour ceux qui en ont besoin. C'est assez spécial quand même. Et voilà, il a fait ça. Il a fait ça et c'est la pose gratos. Là-bas, il y a des spaghettis, si on veut. Enfin, voilà, c'est... L'endroit un peu exceptionnel du Camino. C'est sympa d'être passé par là. Alors, on a fait quelques petits détours. Environ deux bornes de plus, je pense. Donc, ça fait que moi, aujourd'hui, je suis complètement flappy. Je pense qu'on a fait déjà les 25 bornes quotidiennes. Et puis, il en reste encore 6,6 à faire. Donc, ça va faire pas loin de 30 bornes, voire 30 bornes dépassées. Je suis un peu flappy. Je l'avoue, voilà. Voilà, donc, ben voilà, ça c'est chez David. Avec des petits lits, c'est spécial, hein, c'est... On voit pas ça tous les jours. Télévision, c'est le virus. Voilà, les Spanish, eh ben, ils sont aussi complotistes. Hein. C'est con. Hein. Enfin non, c'est bien. Sur le gâteau, là, on vient de se faire cette passerelle à la noix de coco, là. Voilà, pour passer la voie ferrée. Alors, je sais pas si tout droit il y a ou il n'y a pas chemin pour aller sur la ville, mais là, bon, avec les kilomètres en plus qu'on a fait, on en a un peu plein les bottes. Bah non, on a fait que 26 km, mais j'ai l'impression d'en avoir fait 42. Voilà, ça c'est une jolie église qui est là, une jolie statue qui est là, une jolie chemtrails qui sont à l'arrière, et là, bah, la petite alberga qui n'est pas si petite et qui est assez sympa. Enfin, voilà, bon, ça permet de prendre une douche. Et puis on va dormir ce soir. Voilà, les statuaires sont pas moches, hein. C'est sympa, c'est rigolo. Bon voilà, je pense que c'est la dernière vidéo que je vais faire de la journée.
Je suis un peu crevette, il va falloir que je monte maintenant pendant une petite heure cette vidéo. Je vous cache pas que peut-être je vais arrêter de faire des vidéos quotidiennes parce qu'en fait ça me demande un boulot de dingue. Et je sais pas si je vais avoir envie de continuer à en faire tous les jours au tarif où j'en fais. Voilà. Voilà, c'est tout. Allez, ciao. Thank you.